les filles, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement. Donc franchement, c'est pour notre bien, et le bien de notre famille, de la population. Donc surtout, restez chez vous. Et moi, pendant que je reste chez moi, je continue dans les travaux de ma maison. Donc d'où le thème d'aujourd'hui, la déco de ma chambre. Donc figurez-vous quand même que ça fait quand même 2 ans que je vis dans une chambre en chantier. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans ma chambre parce que mine de rien, on n'est pas seul, hein. Quand on est en couple, il faut penser à notre goût, au goût de son époux, donc c'est pas évident parce qu'il faut mélanger 2 personnalités. Sauf que là, avec mon homme, on est complètement à l'opposé. Et que vous dire de plus? Donc j'ai pris 2 ans à chiner, à trouver des choses par-ci par-là, à faire des magasins, à tondre les sols. Ça m'a pris, c'est pas grand-chose, hein. Je n'ai pas fait waouh dans ma chambre, mais j'ai pris le temps parce que je tiens un fixe mis sur un thème de couleur. J'ai pris le vert canard ou bleu pétrole. C'est vraiment les thèmes prononcés de ma chambre. Et ça nous reflète vachement parce que ma chambre a un côté un peu cosy comme je voulais, un peu industriel comme voulait mon époux, un mélange un peu d'exotisme. Ce qui est dommage, c'est-à-dire que je vous avais fait une vidéo comment poser le papier peint, puisque j'avais quand même une tête de lit tout blanc. C'était vraiment très très fade parce qu'à l'époque, vous allez voir, je sais pas si je vais essayer de vous retrouver une photo. Donc surtout, prenez votre temps pour décorer votre chambre. Ça ne presse pas. Vaut mieux avoir des choses qu'on apprécie que des choses qu'on s'enlace au bout de quelques mois, voire une année. Surtout, je suis fière de ce grand canapé. C'est un canapé, une place qu'on appelle aussi une leveuse. Parce que les parents me disaient, ma famille me disait, mais oui, j'en ai, maman, c'est gros, pourquoi t'as acheté ça, gna gna gna. Mais finalement, j'en suis contente parce que quand je prends ma douche et que je sens ma fille constamment levée ici en train de lire, quand mon homme rentre de son boulot, en ce moment il travaille à la maison, qu'il a besoin de parler, alors moi j'adore me mettre ici et l'écouter ou bien lire parfois. Donc il me manque juste une petite lampe pour le côté lecture. Elle est juste vraiment confortable, on est bien dedans et ça apporte vraiment la petite touche de finition. Dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous avez aimé ou pas. Moi j'adore ma chambre, elle est juste magnifique. Sinon à part ça, restez chez vous et je vous fais plein de bisous. Maintenant passons aux lampes. Les lampes étaient vendues avec leur abat-jour. Du coup, c'était 20 euros la lampe. Donc, j'ai ça comme abat-jour, mais je ne vais pas mettre cet abat-jour là. J'ai choisi autre chose, le support de lampe. Donc, comme je vous le disais, je l'ai acheté chez Ikea. La lampe à 19, allez, on a rendu 20 euros. C'est pas mal, hein, qu'en dites-vous? Voilà, je trouve que ça ressort mieux. Je joue vraiment ton sur ton. Et je garde mes petits chevets de lit vraiment qui sont quand même assez cosy. Et ça va très bien ce côté baroque avec ce style ancien. Et voilà, par contre, mes chevets sont vraiment vintage, hein. Elles sont anciennes, c'est les chevets que j'ai repeints il y a maintenant quelques mois. Et là, ça donne bien. Pour des lampes à 20 euros. Bon, pas 20 euros. L'abat-jour m'a quand même coûté 12 euros. Donc, 20 euros plus les 12 euros d'abat-jour. Allez, rebelote pour la deuxième. Maintenant, nous allons
les roubliers. Les roubliers. Les coussins que j'ai achetés pour 6 euros, 4 euros, je sais plus. Voilà, j'ai installé le tapis. Le tapis fait 2 mètres par 2 mètres par 3 mètres. Au lieu de 250 ou 245, je l'ai eu pour 165 sur le site de vente privé.com. Pas vente privée, m'excusez. Je l'ai eu sur le site de vente unique. C'est ça, hein? Je ne sais plus, je vous mettrai le lien en dessous. Mais franchement, j'adore ce tapis parce que sur certains sites, il était quand même à 300, voire 180. Il est doux, il est gris en trois sites et ça va très bien avec l'effet voulu comme baroque. Maintenant, il ne manque plus que la leveuse. Une fois la leveuse installée, la table gigogne installée, ce sera parfait. J'adore. Qu'est-ce que vous en dites? C'est magnifique, comme dit Christina. C'est magnifique. Pour le lustre aussi, j'attends des petits abat-jour que j'ai trouvé chez Amazon pour moins cher. Donc voilà. Et ma chambre sera pratiquement finie. Il ne restera plus qu'à mettre des tableaux.